Salut à tous, ici Rafi150, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 sur PlayStation 4. Donc je vais vous faire un petit tuto pour pouvoir réaliser le turbo de départ facilement. Donc en fait, je vais vous expliquer vite fait. Donc en fait, l'astuce compte. En fait, quand vous avez le compte à rebours, donc vous démarrez, vous avez le compte à rebours 3, 2, 1, go. Et en fait, sur go, vous appuyez sur la gâchette. Accélérer et vous relâcher, vous appuyez deux fois rapidement. Et le turbo, normalement, vous allez réussir en faisant ça tout le temps. Moi, j'y arrive presque à tous les coups. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, voilà. Donc, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, soit vous accélérez ou vous accélérez pas. Après, dès que vous voyez go, là, vous faites, ça fait 3, 2. Après, vous voyez go, vous accélérez une fois et vous relâchez et après, vous accélérez. Voilà. Donc là vous avez bien pu voir que j'ai réussi le turbo. Donc au début j'y arrivais pas, au fait c'est pas au début que j'y arrivais pas, mais au début mon frère il arrivait tout le temps et j'ai demandé la technique comment il faisait et il m'avait expliqué un truc mais ça marchait pas à tous les coups. Il me disait qu'il fallait faire un peu comme dans Mario Kart. Donc j'ai essayé plusieurs fois, un coup ça marchait, un coup ça marchait pas, donc ce que j'ai fait. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait une petite recherche sur YouTube, après je suis tombé sur une chaîne, mais il y a longtemps de cette chaîne là, donc je pourrais pas vous dire qui m'a fait découvrir cette astuce là. Donc là, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, donc je fais je fais un petit tuto là-dessus, ça va, pourra te faire servir aux gens. Donc là, je vais finir ma course, et après moi je vais vous laisser. Donc je répète pour l'astuce, donc en fait quand vous voyez 3, 2, 1. Go, mais en fait quand vous restez sur go, en fait vous appuyez une fois sur l'accélérateur, vous relâchez, vous réappuyez deux fois rapidement derrière et après vous avez votre turbo qui sera actif. En même temps, je vais vous parler par rapport aux couleurs que je réalise sur ma chaîne. Donc si par exemple un abonné veut que j'y fasse une couleur, n'hésitez pas à me proposer une couleur, je serais ravi de la faire. Donc là j'ai fait la couleur de Raf Game, je l'ai posté aujourd'hui. Donc par contre comme j'ai pas vu, il m'a pas répondu encore, donc j'ai pas mis de nom sur sa couleur. J'ai juste mis abonné et puis couleur proposée par un abonné. Donc après si il me propose pas de couleur, vous n'hésitez pas. Et j'essaierai de voir quelle couleur qui peut quel nom de couleur pourrait me donner le mieux. Donc après je mettrai la couleur que la personne m'aura proposée et je la mettrai dans l'annotation. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ces images. Donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager. Commentez mes vidéos. Salut, bye bye, portez-vous bien.